Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de Canal Newman. Une brève vidéo à travers laquelle on va malheureusement vous annoncer la clôture officielle de la DV 2023. À partir d'aujourd'hui 9 septembre, plus aucun autre visa ne pourra être délivré dans aucune ambassade US à travers le monde. Également clarifier la question des quotas de 7%, qui est toujours mal comprise par beaucoup d'entre vous, et souvent même par ceux qui font des vidéos sur ce sujet. Et enfin, vous donner en exclusivité la date du début des inscriptions à la prochaine loterie, la DV 2025. Ainsi que quelques conseils pratiques pour bien réussir votre inscription. Le record de la DV 2022, qui était de 54 340 visas de diversité accordés, n'aura finalement tenu qu'une seule année. Ce record vient en effet d'être pulvérisé par la DV 2023, dont le nouveau record va probablement tenir un peu plus longtemps. Car la DV 2023 n'a pas seulement consommé la totalité des 55 000 visas de diversité qui lui sont réservés, mais elle les a carrément dépassés, avec 10 visas en plus. En effet, selon les dernières statistiques des visas de diversité délivrés par les ambassades US à travers le monde, pas moins de 55 010 visas ont été délivrés lors de cette année fiscale 2022-2023, dont 21 000 5 visas pour le continent africain. Il sera très difficile aux DV suivantes de faire mieux. Et ce n'est pas le seul record qui a été battu. Pour la première fois de l'histoire de la DV loterie américaine, un pays africain a obtenu plus de 3 700 visas. L'ambassade US à Alger en Algérie a en effet réussi l'exploit de délivrer 3777 visas de diversité, ce qui n'a jamais été réalisé par aucune autre ambassade US auparavant. D'ailleurs, cette ambassade aurait pu largement dépasser ce chiffre, si ce n'est la contrainte de quota maximum accordée à chaque pays. La deuxième ambassade US, qui a délivré le plus grand nombre de visas de diversité cette année, c'est l'ambassade US de Varsovie en Pologne, avec 3381 visas délivrés. Boosté par le fait que cette dernière traite également les sélectionnés ukrainiens. Ce qui fait que trois semaines avant la clôture de cette année fiscale, on peut d'ores et déjà dire que la DV 2023 est officiellement terminée. Et laisser place au traitement de la DV 2024 et aux inscriptions pour la DV 2025. Et avant de vous donner la date de cette dernière, on aimerait juste clarifier un point concernant le quota de 7% accordé à chaque pays. Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, notamment de la part de ceux qui font des vidéos sur la développerie, concernant ce quota de maximum de 7%. Sachez que ce quota ne diffère pas d'un pays à un autre, c'est exactement le même quota maximum pour chaque pays. Car il n'existe pas de quota pour chaque pays, mais un seul quota maximum pour tous les pays, quel que soit leur nombre de sélectionnés. Ce quota maximum est de 7% des 55 000 visas de diversité réservés chaque année soit environ 3850 visas. Aucun pays n'a atteint ce quota, mis à part l'Algérie cette année. Donc c'est totalement faux de dire que chaque pays a atteint son quota. Pourquoi ce système de quotas qui semble injuste pour certains, existe-t-il Cette année par exemple, sans cette contrainte de quota, l'ambassade US à Alger aurait pu facilement dépasser les 4000 voire 5000 visas de diversité, ce qui aurait pu créer un grand déséquilibre dans l'attribution de ces visas. C'est pour cette raison que ce système de quotas est en vigueur. Afin d'avoir un certain équilibre dans la délivrance des visas de diversité entre toutes les ambassades US à travers le monde. Donc peu importe que vous ayez 200 ou 6000 sélectionnés, aucun pays ne peut dépasser 3850 visas de diversité par année fiscale. Parlons à présent de la prochaine DV Loterie, la DV 2025. Bien que la date des inscriptions à cette DV n'a pas encore été officiellement annoncée. Mais comme ça fait déjà quelques années qu'on traite le sujet de la DV loterie sur cette chaîne, nous avons déjà une certaine expertise dans ce domaine. On a constaté que chaque année, les inscriptions à la DV loterie commencent le premier mercredi du mois d'octobre jusqu'au deuxième mardi de chaque mois de novembre. Ce qui correspond cette année au mercredi 4 octobre à midi heure de Washington DC jusqu'au mardi 7 novembre à midi heure de Washington DC. Sachez que tout le monde a la possibilité de participer, même ceux qui ont déjà été sélectionnés, et c'est totalement gratuit. Et afin de vous guider pas à pas dans votre inscription, on vous invite à regarder notre vidéo qui sera publiée juste après l'ouverture du site des inscriptions. En attendant, on vous invite à regarder ces deux vidéos qui viennent de s'afficher afin de mieux comprendre le mode de fonctionnement de cette dévéloterie. On vous remercie de nous avoir prêté votre attention et on vous dit à très bientôt.